téléphoné, on m'avait dit d'écrire. Donc on a écrit en disant qu'on pouvait pas se déplacer parce que je suis intérimaire et que j'avais du travail. On m'a renvoyé une convocation, mais qu'il n'a jamais eu de... La deuxième, j'ai jamais signé, madame le juge. Je vous assure, j'ai jamais signé. Elle reprend le dossier. Elle me dit en effet. Je dis, madame le juge, vous savez, je suis ici pour être condamné. Parce que j'ai fait des faits que. T'as commis un délit. Que je regrette, mais. Mais que. Arrête! J'ai bien le mot. Elle me dit, écoutez, monsieur, elle me dit, c'est ça. Vous travaillez? Ah, je dis oui. Elle me dit, vous avez des preuves? Ah, là, je vous dirai que je suis. Ah, alors? J'avais pas ramené de papier comme quoi que je serais à déco ni en intérim. Alors, je dis, non, madame, j'ai pas de preuves, on m'a pas demandé, donc j'ai pas ramené. Elle me dit, vous inquiétez pas, on sait. 6 mois. Boum. Le procureur. Donc, le procureur prend la parole, c'était un mec. Procureur. La juge, c'est une femme, hein. Elle me dit, monsieur, vous avez frappé sur votre femme? Oui. Tu vas trop vite, Amélie. Les faits sont avérés. Quand tu vas trop vite, Je les ai reconnus le 29 septembre 2009. Donc pourquoi le 29